Bonsoir mes amis. Voilà, j'ai pas de véhicule aujourd'hui, mais j'ai une paire de lunettes, une caméra, donc je peux toujours faire une vidéo aldostérone relativement crédible. Je suis en voyage et c'est vrai que parfois quand tu voyages, tu ressens cette solitude quelque part parce que tu es loin de ton environnement. Je suis dans une chambre d'hôtel, elle n'est pas vide, mais je pourrais la décrire comme vide parce que elle a un côté impersonnel. Tu sais, il y a peut-être 200 chambres ici, elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes la même décoration, toutes la même image sur le mur, tout ça. Ils ont dû acheter ça en gros. Donc c'est vrai, quand tu es là, si tu te laisses aller, tu peux facilement te retrouver en proie au vague à l'âme, comme on dit. Donc ça peut arriver. En tout cas. Je regardais par la fenêtre, dehors, il y a un concert, il y a un concert d'un groupe assez connu. Et j'ai vu des gens, là il est 22 h, j'ai vu des gens arriver à 16 h. Enfin, je ne les ai pas vus arriver à 16 h. À 16 h, c'était bondé déjà. Parce que ils vont dans des. Il y a une scène, semble-t-il, j'ai parlé à quelqu'un, il y a une scène, semble-t-il, et puis il y a des places debout. Et les places debout ne sont pas numérotées. Je veux dire, c'est une grosse bousculade, et le premier qui rentre est devant la scène, et ben, le dernier, lui, il va regarder le concert sur un écran géant. Qui dit écran géant dit pixel géant. Nous parlons de pixels qui ont la taille d'une pièce de 2 euros. Hein. Donc c'est extrêmement flou comme image quand même. Hein. Vaut mieux regarder ça sur YouTube. Et puis, bien sûr, après, bon, il n'y a pas de concert sans pluie fine, n'est-ce pas? Donc il y a la pluie qui se met dans la partie. Après, tu sors, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de transport. Tu perds ton porte-monnaie. Ouais. J'aimerais bien voir le côté. J'aimerais savoir quel est le côté récréatif hein, dans l'affaire, c'est tout. Hein. C'est pour ça que je creuse. Hein. Bon, voilà. Oui, je voulais vous parler d'autre chose ici. Je suis venu pour toute autre chose. Je voulais vous parler de ça. C'est un article. C'est un article. Alors, ça se passe à Liège, en Belgique. Alors, Liège, en Belgique, il y a un cafetier turc. Il a placardé une affichette sur sa vitrine. En français, c'était écrit interdit aux chiens, enfin, l'inverse. Les chiens sont les bienvenus, mais les sionistes sont interdits dans ce café. Et en turc, il a écrit, bien sûr, une version un peu plus sincère, un peu plus directe. Il a dit, les chiens sont autorisés, mais les juifs sont interdits. Vous avez compris, avec cette traduction, vous avez bien sûr compris que le mot sioniste, en général, c'est pour dire juif, quoi. Mais bon. Depuis un certain nombre d'années, c'est vrai que ça le fait d'utiliser ce mot-là. Bon, maintenant, cette histoire qui est déjà en soi choquante, hein, ça arrive en Europe en 2019, cette histoire prend une dimension encore plus extraordinaire quand je vous dis que le tribunal en Belgique a classé l'affaire sans suite. Ça signifie que le tribunal a déclaré que ce cafetier est absolument dans son bon droit de dire que c'est permis aux chiens et interdit aux juifs. D'accord? En Europe en 2019. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Je voulais vous parler de sac en plastique. Alors, vous savez, il y a un truc comme ça. C'est connecté, c'est connecté. Il dit pas oui, mais pourquoi il saute du coq à l'âne? Non, 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 c'est connecté. Tu sais quoi? Aujourd'hui, en Europe, on nous vend les sacs en plastique très cher. On les taxe, en fait, littéralement. On nous dit que ça pollue les mers et tout ça. Bon, d'accord. Ça pollue les mers, donc on nous taxe à plusieurs reprises. On nous taxe quand on nous les vend, on nous taxe à travers des impôts locaux pour recycler la poubelle, etc., etc. Donc ces taxes font que le sac, réellement, si on additionne tout ce qu'il nous coûte, il nous coûte une fortune. D'accord. Et il est détruit et recyclé de manière responsable. Hein, moi, je vis en Angleterre, on ne remplit pas des camions poubelles de sacs et on recule vers les falaises du Quint et on les verse. On est bien d'accord. Hein, tu vas dans les plages anglaises, tu ne trouves pas un seul sac. Okay? Dans les cours d'eau anglais, il n'y a pas un seul sac. Il y a des pays
Hein, il y a des pays où le cours d'eau, hein, j'ai vu des images, tu vois plus l'eau, tu vois juste un torrent de sac. Okay? Tu vas, je sais pas, j'étais en Algérie par exemple, j'ai pris le train entre Oran et Alger, le train a dû rouler pendant bien 6 heures ou 7 heures, hein, il était un peu en dérangement ce jour-là. Les sacs ne sont jamais arrêtés. Les sacs ne se sont jamais arrêtés. C'est des sacs bleus, hein, et ils ne s'arrêtent jamais. Donc, qu'est-ce que je cherche à dire avec ça? Ceux qui cherchent à faire de l'écologie, l'écologie taxatrice, l'écologie de spoliation, ils vont prendre les peuples qui déjà ont résolu le problème de ce genre de déchets, qui déjà les vendent cher, qui déjà limitent l'utilisation, qui déjà les recyclent, qui les trient, qui tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se dire, vous savez quoi? Il y a des sacs dans les fleuves, mais on va vous taxer. Sans te dire que ces taxes dans les fleuves, ils ont été observés dans les fleuves en Inde. Ils ont été observés dans des fleuves en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi on va te taxer toi? C'est un peu comme si, imagine, ton voisin est un gros consommateur effréné, il dépense sans compter, il se met en surendettement, puis un jour les huissiers frappent chez toi, il vient te saisir tes affaires et tout ça pour les vendre aux enchères, pour liquider sa dette à lui. Je veux dire, t'as rien à faire, mais bon, c'est comme ça. D'accord? C'est ça le problème avec l'écologie taxatrice, hein? C'est ça. Hein? On va pas aller vers les sources de la pollution, parce que de toute manière, ces gens-là sont pas solvables. Donc qu'est-ce qu'on va? On va vers les gens qui polluent peu ou pas, et on va encore les taxer et prendre de l'argent. D'accord? C'est un peu pareil avec l'antisémitisme. Aujourd'hui, t'as un gars, hein, il va te dire, t'as un occidental, il va te dire, mais genre un français, il va te dire, mais c'est bizarre, ou un allemand, dans l'école où va mon petit dernier, il est le seul, hein, il est le seul, dans la langue maternelle, c'est le français. Et il est harcelé pour ça, il a reçu une raclée la semaine dernière, il y a des gens qui vont dire « Ferme ta bouche, tu es nazi ». D'accord? On va le renvoyer aux heures sombres de notre histoire. Plus jamais ça, hein, copyright, hein, plus jamais ça, c'est une marque déposée, hein, il ne faut pas l'utiliser juste comme ça. Donc, nous en Algérie, il faut être honnête, si quelqu'un revenait de l'école en nous disant ils parlent tous français à l'école, tous leur langue maternelle c'est le français, je suis le seul dans la langue maternelle c'est l'algérien, on lui dirait il se passe quoi? Le colonialisme revient ou quoi? Je veux dire, ce serait la moindre des choses. Sauf que nous, on n'entendrait pas qu'il soit le seul, hein, on réagirait peut-être un peu avant, hein, mais pas comme vous, hein. Enfin. Je disais que par rapport à l'antisémitisme, c'est pareil. Autant aujourd'hui, il est peu probable, il est peu probable qu'Adolf Hitler se réveille de sa tombe et puis arrive et commence à chauffer les foules comme il le faisait dans les années 30. Hein. Il y a peu de chances que ça arrive. Autant il y a un antisémitisme qui est plus virulent encore. Hein. D'accord? Alors, bon, je n'ai pas vécu en 33, hein. Je ne peux pas vous dire vraiment. Mais je peux vous dire pour 2019, hein, parce que j'y suis, hein, je peux vous dire que, tenez-vous bien, hein, donc là, c'est même plus un antisémitisme qui se fait dans le feutré. Hein. C'est aujourd'hui, on a des imams qui annoncent, en pleine mosquée, qui annoncent que le dernier juif sur terre se cachera derrière un arbre et le musulman le pourchassera avec son sabre pour lui abrayer le crâne. Et la pierre et l'arbre et tout ça, ils vont dire, il y a un juif qui se cache derrière moi, on vient le tuer. D'accord? C'est annoncé dans les mosquées en Europe. Tribunal déclare que c'est OK. D'accord? C'est tout à fait OK pour ce cafetier de dire pas de juif. Chien OK, mais pas de juif. Surtout quand on sait l'idée qu'ils ont du chien. D'accord. Alors c'est pas le chien n'a pas été choisi par hasard. Hein. Je te dis ça. Je dis ça parce que je constate soudainement que je suis en train de parler. Et bien, il y a beaucoup d'occidentaux qui m'écoutent et peut-être qu'ils vont pas capter la subtilité derrière le chien dans cette histoire. Hein. Ils vont peut-être dire oui, mais je vois pas le problème. Mais non, s'il y a un problème, parce que hein,
le chien est un animal extrêmement vil c'est chez les gens et en général il rentre pas, il rentre nulle part, il touche même pas, je veux dire de loin déjà ils n'ont pas envie qu'il s'approche d'eux. Okay? Donc il faut tenir compte peut-être de cette subtilité culturelle. Alors je disais que en même temps aujourd'hui hein, quand t'as un occidental, un pauvre occidental qui en a ras-le-bol de recevoir des baffes, qui a ras-le-bol de traverser le présent, les yeux baissés vers le sol, qui a peur quand on lui demande une cigarette, qui se fait tuer pour un regard ou autre, n'est-ce pas, ou gratuitement, des fois même gratuitement par des jeunes, tu vois. Et que il en a ras-le-bol peut-être de vivre à quatre pattes, il faut dire la vérité, et il décide un petit peu de, même pas de hausser le ton, le pauvre, juste il dit, mais peut-être un peu beaucoup, vous poussez, vous ne pensez pas que vous poussez. Et là, on traite de nazi, de je ne sais plus quoi. D'accord? Hein? C'est chier, ça. Hein? C'est quand même. Alors que nous avons, en Europe, est en train de s'installer un nazisme de couleur verte, un nazisme qui va renvoyer le nazisme des années 30 et 40, il va le renvoyer aux oubliettes. C'est moi qui vous l'annonce. D'accord? Parce que c'est du sérieux, ce que vous avez. Et bien sûr, la gauche, bon, la gauche. Les nazis étaient de gauche, hein. Parti socialiste. Un nazi, c'est un parti socialiste, parti national-socialiste. Hein. Et nazi, c'est juste une concaténation, hein. D'accord, de ça. C'est parti national-socialiste. C'est un socialiste, d'accord. Enfin, c'est triste, hein. Moi, je regarde, je suis là, je suis assis à une fenêtre, je regarde l'Europe foutre le camp. Voilà, quoi. Je me suis trompé de continent, c'est tout. Le jour où j'ai quitté l'Algérie, j'aurais dû peut-être mettre plus d'heures de vol. Hein. C'est clair que quand j'ai vu la chiasse à laquelle j'ai cru échapper, et alors aujourd'hui je ne crois plus rien, mais à l'époque, je peux vous dire que l'égout que j'ai vu arriver, honnêtement, j'aurais dû mettre 50 heures de vol. Alors, en dessous de 50 heures de vol, tu peux pas dire t'es loin. Hein. Là, j'aurais dû faire 12 fois le tour de la Terre, hein, et m'arrêter au hasard, quelque part. Parce que là, moi, je prends un avion, je compte jusqu'à 500 et je descends. C'est vrai que c'était peut-être pas une idée très judicieuse. Hein, parce que là. Enfin. Prochain qui me dit plus jamais ça, j'aurais du mal à ne pas lui mettre quelque chose sur la figure, hein, quand même, parce que est-ce que mon message est en train de passer? Est-ce que ça passe? Des fois, j'ai l'impression de parler dans le vide, tu sais, et des fois, je me dis, mais. C'est tellement évident ce que je suis en train de dire. Ai-je besoin de le dire? Enfin, je vous laisse, mes amis. Je vais essayer de dormir, trouver le sommeil quand même. Et puis, je reviens une autre fois.